Salut mon petit YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le donjon Tour Minérale, se situant à la Tour Minérale tout simplement. Le donjon 3 joueurs de la tranche. Ce donjon se compose d'une salle unique. Pour y rentrer, il vous faudra une clé nommée incantation de Feka, fabricable par un ébéniste. Une fois l'incantation utilisée, vous pourrez recommencer autant de fois que vous souhaitez le combat, tant que vous n'avez pas vaincu le boss ou reset le donjon. Dans un premier temps, chaque visite du donjon sera différente, car cette Tour Minérale va avoir pas moins de 8 gameplays différents. Les facteurs de ces gameplays seront les mécaniques du boss, les sortilèges et les malédictions. Le boss choisira une mécanique, sortilège et malédiction parmi les deux à chaque fois que vous rentrerez dans le donjon. A savoir que les mécaniques ne changeront pas si vous mourrez lors du combat, tant que vous n'aurez pas reset le donjon. Parlons dans un premier temps des mécaniques du boss. On commence avec la mécanique qui se nomme forteresse. Le boss Agony invoquera des murs élémentaires qui seront liés aux rochers sur la map. Ces murs bloqueront votre ligne de vue. Pour les détruire, rien de plus simple. Il vous faudra détruire le rocher qui aura la même couleur que le mur élémentaire qui vous dérange. A savoir que traverser ce mur vous infligera aussi des dommages. Ensuite, pour la deuxième mécanique de boss, nous aurons dédoublement. Comme le nom l'indique, cela fera qu'Agony invoquera deux doubles qui posséderont 25% de ses points de vie maximal et des faiblesses élémentaires. Ils le sont sacrifiés tous les 3 tours et les réinvoquera le même tour où ils ont été sacrifiés. Agony récupère 100% de leurs points de vie restants si elle réussit à les sacrifier. Donc si possible, tuez-les avant que cela se produise. Pour ce qui est des sortilèges, ce sont des sorts défensifs qu'Agony utilisera à partir du tour 3 et qu'elle appliquera tous les 4 tours. Pour savoir si le sortilège est actif, regardez Agony. Elle sera entourée d'une aura verte. Le premier sortilège se nomme Repli Ténébreux. Agony se donne le passif résistance terrestre pendant un tour et gagne 10 de résistance élémentaire par niveau de stasis. Si vous ne brisez pas ce passif, elle gagnera 30% de dégâts infligés supplémentaires par tour, cumulables à chaque fois. Pour briser ce sort, il vous faudra détruire les 4 cristaux sur le terrain. Attention, si vous les avez déjà détruits, alors vous ne pourrez pas briser le sort avant la réapparition des cristaux. Le deuxième sortilège s'appelle Perfectionnisme. Agony se soignera de 100 points de vie à chaque fois qu'elle recevra des dommages tant que Protectionnisme sera actif. Mais surtout, si ce sort n'est pas brisé, elle invoquera un Jadarme, un Agathan et un Emeraldine au tour suivant. Pour briser ce sort, il vous faudra lui taper en une seule attaque 500 de dégâts. Nous passons au dernier type de mécanique, les malédictions. Les malédictions sont des mécaniques offensives, utilisées par Agony tous les 3 tours à partir du second tour. Contrairement aux sortilèges, vous ne pourrez pas les désactiver. Le premier sortilège se nomme Tour de la Terre. Un glyphe apparaîtra sous les pieds de votre personnage au moment où vous taperez un ennemi, qu'il soit un trépas mort, le boss ou même un cristal. Au début du tour d'agonie, des rochers tomberont à cet emplacement, faisant des dégâts en croix d'une case autour du glyphe. Les dégâts augmenteront en même temps que les dégâts d'agonie. Et pour finir, silence sacré. À chaque PW utilisé, le personnage ayant utilisé ce PW perdra 20% de ses points de vie max. En contrepartie, chaque sort utilisant des PW gagnera 30% des dégâts. Si cette malédiction n'est pas activée ce tour, Agony gagnera 50 de résistance élémentaire pendant le tour suivant. Agony sera accompagné de 3 acolytes qui auront, dès le début du combat, un état nommé résistance terrestre, qui leur donnera 100 de résistance par niveau de stasis. Il est possible de le retirer en respectant certaines conditions. Pour l'Agatank, il faudra lui infliger des dommages air directs. Pour le Jadarme, lui, plusieurs méthodes sont possibles, comme être aligné à lui et taper air, ou alors se mettre de côté et taper terre. Attention, ça active chez le Jadarme un sort passif supplémentaire, qui fera une AOE au début de son tour autour de lui à 2 PO max. Et pour finir, Emeraldin. Il faudra lui retirer des PA. Pour Emeraldin, essayez de le focus en premier, car à son tour, il pourra vous retirer 3 PA minimum. Pour le loot, ce donjon va se composer de beaucoup de loot vert, qu'il faudra craft pour gagner un petit pécule, comme la ceinture Ismo ou le casque à puce. En plus de tout ce que l'on vient de parler, ce donjon introduit les premières selles. Pour expliquer simplement, les selles, ça vous permet d'augmenter encore plus la difficulté du donjon pour augmenter encore plus vos loots
en échange de quelques poudres. Pour la selle numéro 1, ça posera sous vos pieds une case morte et condamne définitivement la case jusqu'à la fin du combat. La selle 2 fait que les soins et les gains d'armure ne peuvent pas être lancés à moins d'une case. La selle 3 interdit au joueur actif de finir son tour aligné à un autre. Et la selle 4 donnera 2 PM et 2 PO à tous les trépas morts dans le combat. Une fois les selles activées, vous aurez beaucoup de loot qui se rajouteront, comme la coquille ou même la ceinture Kaiba. Sur votre écran, je ne montre pas l'intégralité des items, sinon ça en ferait beaucoup. Pour ce donjon, je n'aurai pas plus de conseils à vous donner. Cela dépendra surtout de votre adaptabilité, car chaque donjon ne se ressemblera pas. Entre l'apparition des mobs dans la salle qui bougent et les 8 patterns différents, ce donjon est un challenge sans stuff. Mais je crois en vous. Dans la description, je vous mets mes Zenith Wakfu. Je vous ferai une vidéo farm vendredi pour vous dire si oui ou non le donjon est toujours intéressant. Je vous laisse avec un combat entier du donjon avec les stèles à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Allez, ciao YouTube.